Bonjour et bienvenue au lycée Carcado-Sesval dans le 6e arrondissement de Paris. Tu prépares ton bac et tes choix sur Parcoursup, tu as le goût du challenge et une forte motivation, tu aimes le contact avec les clients et le travail d'équipe, tu as le sens de la responsabilité, le BTSMCO t'intéresse. Alors viens découvrir le parcours de Valentin, étudiant en première année. Bonjour, je m'appelle Valentin Rousset, je suis en première année de BTSMCO, BTSMCO qui veut dire Management Commercial Opérationnel. Avant mon BTS-MCO, j'ai effectué un bac pro commerce au sein du même lycée Carcado-Sesval. En arrivant dans ce lycée, j'aimais pas forcément le commerce, pas spécialement, mais ce lycée il m'a appris à aimer le commerce et pour moi la suite logique c'était de continuer sur un BTS-MCO après mon bac pro commerce. Donc en BTS-MCO, on a trois matières générales. On a la culture générale qui correspond un peu au français. On a la COJM, la culture économique, juridique et managériale. Et on a les langues vivantes. Donc l'espagnol est une option en BTS. Pour ce qui est des matières pro, on a l'animation et dynamisation de l'offre, le développement de la relation client, le management de l'équipe commerciale et la gestion opérationnelle. J'ai fait une seconde générale, mais je me suis rendu compte que c'était pas trop fait pour moi, donc je me suis réorienté vers un bac pro commerce. C'est comme ça que j'ai atterri à Carcado. Et donc après, j'ai suivi mon cursus sur mes 3 ans, ça s'est bien passé. J'ai eu mon bac pro avec mention, assez bien. Et c'est pour ça que je ne me voyais pas ailleurs qu'à Carcado, ayant fait déjà mes 3 ans dans ce lycée. BTS-MCO, nous avons 14 à 16 semaines de stage à effectuer. Il y a possibilité de partir à l'étranger la première année. C'est ce que j'ai fait. Je pars en Italie du 11 mai au 11 juillet. Pour finir, j'aimerais vous encourager à faire un BTS-MCO dans ce lycée, car l'équipe pédagogique sera toujours derrière vous et elle vous donnera tous les outils pour réussir.